مثلا إذا أردت أن أقول أنا لم أكن أتوقع ذلك منك. Oui, très bien. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. On a le verbe attendre, معناه ينتظروا, ولكن في هذه الجملة جاء المعنى يتوقعوا. Le verbe est conjugué à l'imparfait, الفعل صرف في الماضي الناقص. De ta part يعني منك أو من طرفك. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. جملة أخرى أصدقائي، كل صباح يبحث عن مفاتيحه ونضيع الكثير من الوقت. جملة طويلة ولكنها سهلة جدا أصدقائي. نعم جيد. Tous les matins il cherche ses clés et en perd beaucoup de temps. Tous les matins, il cherche ses clés et en perd beaucoup de temps. Tous les matins, يعني كل صباح, il cherche, le verbe chercher, معناه يبحث, conjugué au présent de l'indicatif, ses clés, يعني مفاتيحه, et en perd, le verbe perdre, معناه يضيع, هنا صرف في الحاضر الدلالي كذلك عوض on perd on peut dire nous perdons ولكن للاختصار في الكلام نقول on perd نستعمل الضمير on عوض nous للاختصار كما قلت tous les matins il cherche ses clés et on perd beaucoup de temps جملة أخرى هي لم تكن تتوقع مثل هذا الترحيب Oui, très bien. Elle ne s'attendait pas à un tel accueil. Elle ne s'attendait pas à un tel accueil. Elle ne s'attendait pas à un tel accueil. جملة أخرى. لقد وفرنا مبلغا كبيرا. Oui, très bien. Nous avons économisé une grosse somme. Nous avons économisé une grosse somme. On a le verbe économiser, معناه يقتصد, قد يعني كذلك يوفر. On peut dire aussi, nous avons épargné une grosse somme. كذلك لدينا الفعل أو le verbe épargner, معناه كذلك يوفر. Conjugué au passé composé, مصرف في الماضي المركب. On peut dire aussi, nous avons économisé beaucoup d'argent. Ça signifie la même chose. جملة أخرى. أنا أتذكر كل ما حدث في ذلك اليوم. خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. نعم أحسنت. Je me souviens de tout ce qui s'est passé ce jour-là. Je me souviens de tout ce qui s'est passé ce jour-là. Le premier verbe, c'est le verbe se souvenir, يعني يتذكروا, conjugué au présent de l'indicatif. Je me souviens de tout ce qui s'est passé ce jour-là. جملة أخرى. لقد تجرأ على قول الحقيقة لوالديه. تذكرون أصدقائي فعل تجرأ يتجرأ كنا قد رأيناه سابقا. Oui, très bien. Il a osé dire la vérité à ses parents. Il a osé dire la vérité à ses parents.
On a le verbe oser, معناه يتجرأ, conjugué au passé composé. On a le verbe dire, يعني يقول, la vérité, يعني الحقيقة. Il a osé dire la vérité à ses parents. جملة أخرى أصدقائي. أحمد تأقلم بشكل جيد مع قسمه الجديد أو صفه الجديد. نعم, أحمد سي بيان أدابتي أ سا نوفيل كلاس. أحمد سي بيان أدابتي أ سا نوفيل كلاس. أحمد سي بيان أدابتي أ سا نوفيل كلاس. جملة أخرى, هو لا يستطيع الاستيقاظ. سهلة جدا. نعم, il ne peut pas se réveiller. Il ne peut pas se réveiller. On peut dire aussi il n'arrive pas à se réveiller. Il n'arrive pas à se réveiller, c'est la même chose. Une autre phrase, la takun mutaraddidan jiddan, ikhtar bisur'a. Oui, très bien. Ne sois pas si hésitant. Choisis vite. Ne sois pas si hésitant. Choisis vite. On a le verbe être, ne sois pas, conjugué à l'impératif. Musarraf fi sighat al-amr. Le verbe yakunu fi'l al-kaynuna. Hésitant, ça c'est un adjectif. Sefa ma'naha mutaraddid. Choisis, ça c'est le verbe choisir. Conjugué aussi à l'impératif. Musarraf kadhalik fi sighat al-amr. Ma'naha yakhtaru. Ne sois pas si hésitant, choisis vite. Une autre phrase, ana ara annaka fi mizaj sayyi' hada as-sabah. نعم احسنت. Je vois que tu es de mauvaise humeur ce matin. Je vois que tu es de mauvaise humeur ce matin. Je vois que tu es de mauvaise humeur ce matin. مثلا إذا أردت أن أقول أنا أجده واثقا جدا من نفسه. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Je le trouve très confiant. Je le trouve très confiant. On a le verbe trouver, معناه يجد. Confiant, ça c'est un adjectif. Sefa, معناها الشخص الواثق من نفسه. قد تعني كذلك الشخص الذي يثق بالناس الآخرين. Je le trouve très confiant. جملة أخرى, أنا لدي سؤال لأطرحه عليك. Oui, très bien. J'ai une question à te poser. J'ai une question à te poser. Le premier verbe, c'est le verbe avoir. J'ai, معناه يملك, يعني لدي. Une question, يعني سؤال, à te poser, le verbe poser, معناه يطرح. J'ai une question à te poser. On peut dire aussi, je veux te poser une question. Je veux te poser une question, c'est la même chose. جملة أخرى. أختي تأتي لرؤيتي من وقت لآخر.
نعم أحسنت. Ma sœur vient me voir de temps en temps. Ma sœur vient me voir de temps en temps. Le premier verbe, c'est le verbe venir, un verbe de troisième groupe. فعل من المجموعة الثالثة معناه يأتي, conjugué au présent de l'indicatif. Le verbe voir معناه يرى. De temps en temps, يعني من وقت لآخر. Ma sœur vient me voir de temps en temps. الآن أصدقائي لدينا تساؤل. هل يمكنك تحمل الطريقة التي يتصرف بها؟ Oui, très bien. Peux-tu supporter la manière avec laquelle il se comporte? Peux-tu supporter la manière avec laquelle il se comporte? Le premier verbe, c'est le verbe pouvoir, peux-tu, conjugué au présent de l'indicatif, ma'naou yumken ou yastati. Le verbe supporter, ma'naou yatahammalou, qad ya'ni kadalik yad'amou. Et le verbe se comporter, il se comporte, conjugué aussi au présent de l'indicatif, ma'naou yatasarraf ou yata'amal. Peux-tu supporter la manière avec laquelle il se comporte? جملة أخرى. أنا لا أشعر بأنني بخير. يجب أن أعود إلى المنزل. Oui, très bien. Je ne me sens pas très bien. Je devrais rentrer à la maison. Je ne me sens pas très bien. Je devrais rentrer à la maison. Le premier verbe, c'est le verbe se sentir, un verbe pronominal conjugué au présent de l'indicatif. أول فعل هو فعل يشعر فعل مركب مصرف في الحاضر. Je devrais, ça c'est le verbe devoir, un verbe de troisième groupe فعل من المجموعة الثالثة conjugué au conditionnel présent مصرف في صيغة الشرط فعل من المجموعة الثالثة معناه يجب. Le verbe rentrer, معناه يعود أو يرجع. Je ne me sens pas très bien. Je devrais rentrer à la maison. جملة أخرى. إذا سمح الطقس أو الجو, يعني الحالة الجوية, سنغادر خلال ساعة. Oui, très bien. Si le temps le permet, nous partirons dans une heure. Si le temps le permet, nous partirons dans une heure. Si, yani ida, le temps, ça c'est un nom masculin, ism mudhakkar, ma'naou fi hadhi al-jumla, yani taqs ou al-hal al-jawiya, qad yani kadalik al-waqt, le permet, ça c'est le verbe permettre. Un verbe de troisième groupe, فعل من المجموعة الثالثة, معناه يسمح. Nous partirons, ça c'est le verbe partir, معناه يغادر أو يذهب, conjugué au futur, مصرف في المستقبل. Dans une heure, يعني خلال ساعة. Si le temps le permet, nous partirons dans une heure. جملة أخرى. هل يمكنك التحدث بصوت أعلى قليلا؟ أنا لا أسمع جيدا. Oui, très bien. Peux-tu parler un peu plus fort? Je n'entends pas bien. Peux-tu parler un peu plus fort? Je n'entends pas bien. Le premier verbe, c'est le verbe pouvoir. On a le verbe parler, ma'naou yatahaddatu ou yatakallam. Le verbe entendre, je n'entends pas bien, conjugué au présent de l'indicatif, ma'naou yasma'u. Peux-tu parler un peu plus fort? Je n'entends pas bien.
جملة أخرى: لا أعتقد أنه يمكنني مساعدتك كثيرا. Oui, très bien. Je ne pense pas que je puisse beaucoup t'aider. Je ne pense pas que je puisse beaucoup t'aider. On a le verbe penser, je ne pense pas, conjugué au présent de l'indicatif, لدينا فعل يعتقد مصرف في الحاضر, que je puisse, ça c'est le verbe pouvoir, conjugué au subjonctif présent, لدينا فعل يمكن أو يستطيع مصرف في صيغة الشك. Et le verbe aider, t'aider, معناه يساعد. Je ne pense pas que je puisse beaucoup t'aider. جملة أخرى: هو لديه هدف محدد جدا. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. Oui, très bien. Il a un objectif bien déterminé. Il a un objectif bien déterminé. Un objectif, يعني الهدف. Déterminé, ça c'est un adjectif, معناه محدد. وقد تعني كذلك مصمم. Il a un objectif bien déterminé. On peut dire aussi, il a un objectif très précis. Il a un objectif très précis. Précis, تعني كذلك محدد. Il a un objectif très précis. جملة أخرى: لقد أبلغني أو لقد أخبرني برغبتك في الرحيل. Oui, très bien. Il m'a dit ton envie de partir. Il m'a dit ton envie de partir. Il m'a dit ton envie de partir. مثلا إذا أردت أن أقول أنا أنوي الذهاب لرؤيتك قريبا, كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. J'ai l'intention d'aller te voir prochainement. J'ai l'intention d'aller te voir prochainement. J'ai l'intention, يعني أنا أنوي, d'aller, le verbe aller معناه يذهب, te voir, رؤيتك, prochainement يعني قريبا. J'ai l'intention d'aller te voir prochainement. جملة أخرى: أحيانا لا نكون متفقين, يعني نختلف ونتجادل. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Parfois, nous ne nous sommes pas d'accord et nous nous disputons. Parfois, nous ne nous sommes pas d'accord et nous nous disputons. Parfois, يعني أحيانا, nous ne nous sommes pas d'accord, يعني لا نكون متفقين, et nous nous disputons, ça c'est le verbe se disputer, معناه يتجادل, conjugué au présent de l'indicatif, هذا الفعل فعل مركب, un verbe pronominal. Parfois, nous ne sommes pas d'accord et nous nous disputons. جملة أخرى: أنا أتذكر ما حدث لي. نعم أحسنت. Je me souviens de ce qui m'est arrivé. Je me souviens de ce qui m'est arrivé. Je me souviens, ça c'est le verbe se souvenir, معناه يتذكر, conjugué au présent de l'indicatif. Je me souviens de ce qui m'est arrivé.
جملة أخرى، لا تنسى إعلامنا، يعني أن تخبرنا إذا أتيت في وقت أبكر من المتوقع. نعم أحسنت. N'oublie pas de nous prévenir si tu viens plus tôt que prévu. N'oublie pas de nous prévenir si tu viens plus tôt que prévu. N'oublie pas de nous prévenir si tu viens plus tôt que prévu. الآن أصدقائي لدينا تساؤل. في أي يوم تخطط المجيء لرؤيتي؟ Oui, très bien. Quel jour prévois-tu de venir me voir? Quel jour prévois-tu de venir me voir? Quel jour prévois-tu de venir me voir? جملة أخرى. اعتمد علي لمساعدتك في تزيين الغرفة. Oui, très bien. Compte sur moi pour t'aider à décorer la chambre. Compte sur moi pour t'aider à décorer la chambre. Compte sur moi pour t'aider à décorer la chambre. جملة أخرى. بسبب نزلة البرد، يعني بسبب البرد، لم تعد تشم أي شيء. نعم أحسنت. À cause de son rhume, elle ne sent plus rien. À cause de son rhume, elle ne sent plus rien. À cause de son rhume, elle ne sent plus rien. جملة أخرى. أخبرني أو قل لي بالضبط ما الذي أعجبك في هذا الفيلم. Oui, très bien. Dis-moi exactement ce qui t'a plu dans ce film. Dis-moi exactement ce qui t'a plu dans ce film. Dis-moi exactement ce qui t'a plu dans ce film. جملة أخرى. فكر جيدا فيما تقوله. Oui, très bien. Réfléchis bien à ce que tu dis. Réfléchis bien à ce que tu dis. Réfléchis bien à ce que tu dis. جملة أخرى. أعتقد أن أفضل صديقة لك لها تأثير جيد عليك. Oui, très bien. Je crois que ta meilleure amie a une bonne influence sur toi. Je crois que ta meilleure amie a une bonne influence sur toi. Je crois que ta meilleure amie a une bonne influence sur toi. مثلا إذا أردت أن أقول لم أستطع الاتصال به لأنني لم أكن أملك هاتفي، يعني هاتفي الخلوي. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Je n'ai pas pu l'appeler car je n'avais pas mon portable. Je n'ai pas pu l'appeler car je n'avais pas mon portable.
Je n'ai pas pu, ça c'est le verbe pouvoir, فعل يمكن أو يستطيع, conjugué au passé composé, مصرف في الماضي, et le verbe appeler, معناه يتصل. Aussi on a le verbe avoir, je n'avais pas, conjugué à l'imparfait, مصرف في الماضي الناقص. Je n'ai pas pu l'appeler, car je n'avais pas mon portable. جملة أخرى. لا تنسى أن تعيد المفاتيح لي بعد إغلاق الباب. Oui, très bien. N'oublie pas de me rendre les clés après avoir fermé la porte. N'oublie pas de me rendre les clés après avoir fermer la porte. On peut dire aussi n'oublie pas de me rendre les clés après la fermeture de la porte. C'est la même chose. الآن أصدقائي لدينا تساؤل. هل يمكنك أن تجلب لي هذا الكتاب الذي على الطاولة؟ Oui, très bien. Tu peux m'apporter ce livre qui est sur la table? Tu peux m'apporter ce livre qui est sur la table? Tu peux m'apporter ce livre qui est sur la table? جملة أخرى. أحمد يبدو مشغولا. سأذهب لرؤيته غدا. لا أريد أن أزعجه. Oui, très bien. Ahmed a l'air occupé. J'irai le voir demain. Je ne veux pas le déranger. Ahmed a l'air occupé. J'irai le voir demain. Je ne veux pas le déranger. On peut dire aussi Ahmed semble occupé. J'irai le voir demain. Je ne veux pas le déranger. C'est la même chose. لقول يبدو مشغولا نقول a l'air occupé. On peut utiliser aussi le verbe sembler. كذلك معناه يبدو. جملة أخرى. أنا أقوم بالرياضة كل أيام الأسبوع ما عدا الأحد. Je fais du sport tous les jours de la semaine sauf le dimanche. Je fais du sport tous les jours de la semaine sauf le dimanche. Je fais du sport tous les jours de la semaine sauf le dimanche. جملة أخرى. كان لديها العديد من الفرص للانتقال لكنها تفضل البقاء في شقتها. جملة طويلة خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Elle a eu plusieurs occasions de déménager, mais elle préfère rester dans son appartement. Elle a eu plusieurs occasions de déménager, mais elle préfère rester dans son appartement. Elle a eu, يعني كان لديها, plusieurs, العديد, occasions, يعني فرص, occasion, يا فرصة, بالنسبة للجمع نضيف الاس, occasion, des occasions, de déménager, يعني الانتقال أو الرحيل من مكان إلى آخر, mais elle préfère, لكنها تفضل, rester, يعني يبقى, dans son appartement, يعني في شقتها. Elle a eu plusieurs occasions de déménager, mais elle préfère rester dans son appartement. جملة أخرى. يمكنك أن تمر لرؤيتي
في أي ساعة أنا متاح أو أنا متفرغ؟ Oui, très bien. Tu peux passer me voir à n'importe quelle heure. Je suis disponible. Tu peux passer me voir à n'importe quelle heure. Je suis disponible. On peut dire aussi, tu peux passer me voir à n'importe quelle heure. Je suis libre. Je suis libre. تاني كذلك أنا متفرغ أو أنا متاح. Tu peux passer me voir à n'importe quelle heure. Je suis disponible. جملة أخرى، بمجرد أن بدأت بالكذب عليه، فقد سامي الثقة بك. Oui, très bien. Dès que tu as commencé à lui mentir, Sami a perdu confiance en toi. Dès que tu as commencé à lui mentir, Sami a perdu confiance en toi. Dès que, yani بمجرد كنا قد رأيناها سابقا. Le verbe commencer, yani يبدأ. Tu as commencé. Le verbe est conjugué au passé composé. On a le فعل صرف في الماضي المركب. Et le verbe mentir, معناه يكذب. On a aussi le verbe perdre, معناه يفقد, conjugué aussi au passé composé. Confiance, يعني ثقة. Dès que tu as commencé à lui mentir, Sami a perdu confiance en toi. جملة أخرى. إذا كنت لا تريد الاتصال بي, أرسل لي رسالة. Oui, très bien. Si tu ne veux pas m'appeler, envoie-moi un message. Si tu ne veux pas m'appeler, envoie-moi un message. Si tu ne veux pas m'appeler, envoie-moi un message. جملة أخرى. لدينا موعد في البنك لاقتراض المال لشراء منزلنا الجديد. Oui, très bien. Nous avons rendez-vous à la banque pour emprunter de l'argent pour acheter notre nouvelle maison. Nous avons rendez-vous à la banque pour emprunter de l'argent pour acheter notre nouvelle maison. On peut dire aussi, nous avons rendez-vous à la banque pour emprunter de l'argent pour l'achat de notre nouvelle maison. Le verbe emprunter معناه يقترض. كنا قد رأيناه كذلك سابقا. مثلا إذا أردت أن أقول أنا أحاول أن أنفق القليل من المال للاقتصاد أو لكي أقتصد. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. J'essaie de dépenser moins d'argent pour économiser. J'essaie de dépenser moins d'argent pour économiser. Le premier verbe, c'est le verbe essayer, conjugué au présent de l'indicatif. أول فعل هو فعل يحاول مصرف في الحاضر. Le deuxième verbe, c'est le verbe dépenser, معناه ينفق. Et le verbe économiser, معناه يقتصد. J'essaie de dépenser moins d'argent pour économiser. جملة أخرى هي تقلل كل ما أقوله يعني تقلل من شأن كل ما أقوله. Oui, très bien.
Elle déprécie tout ce que je dis. Elle déprécie tout ce que je dis. On a déjà vu le verbe déprécier signifie diminuer la valeur de quelque chose. رأينا سابقا فعل يقلل معناه يقلل من قيمة شيء ما أو يقلل من شأن شيء ما. Elle déprécie tout ce que je dis. جملة أخرى. هو ليس متأكدا إذا كان يستطيع أن يأتي فهذا سيتعلق بحالته الصحية. جملة طويلة عزيزي المشاهد يمكنك توقيف الفيديو للتفكير في الإجابة. Oui, très bien. Il n'est pas sûr de pouvoir venir. Cela dépendra de son état de santé. Je répète, il n'est pas sûr de pouvoir venir. Cela dépendra de son état de santé. Il n'est pas, le premier verbe, c'est le verbe être, conjugué au présent de l'indicatif. أول فعل هو فعل يكون مصرف في الحاضر. Le verbe pouvoir, معناه يمكن أو يستطيع, فعل من المجموعة الثالثة. Le verbe venir, معناه يأتي. Et le verbe dépendre, cela dépendra, conjugué au futur. لدينا كذلك فعل يتعلق أو يتعلق بشيء ما. فعل من المجموعة الثالثة مصرف في المستقبل. État, يعني حالة صحية الصحة. Il n'est pas sûr de pouvoir venir. Cela dépendra de son état de santé. أنا أتساءل أين يمكن أن يكون؟ Oui, très bien. Je me demande où il peut bien être. Je me demande où il peut bien être. Je me demande où il peut bien être. جملة أخرى. هو يتهمني بكسر هاتفه لكن لست أنا. Oui, très bien. Il m'accuse d'avoir cassé son téléphone, mais ce n'est pas moi. Il m'accuse d'avoir cassé son téléphone, mais ce n'est pas moi. Il m'accuse d'avoir cassé son téléphone, mais ce n'est pas moi. هي تستقبل دائما ضيوفها بلطف. Oui, très bien. Elle accueille toujours ses invités avec gentillesse. Elle accueille toujours ses invités avec gentillesse. Elle accueille toujours ses invités avec gentillesse. جملة أخرى. هي أعطت قبولها للسماح له بالخروج. Oui, très bien. Elle a donné son acceptation pour le laisser sortir. Elle a donné son acceptation pour le laisser sortir. Le premier verbe, c'est le verbe donner, معناه يعطي, acceptation, يعني قبول. Laisser, معناه يترك, ولكن في هذه الجملة جاء المعنى يسمح. Sortir, يعني يخرج. Elle a donné son acceptation pour le laisser sortir. جملة أخرى. هذا الاقتراح يبدو مقبولا بالنسبة لي. Oui, très bien.
Cette proposition me semble acceptable. Cette proposition me semble acceptable. Cette proposition, يعني هذا الاقتراح, le verbe sembler, معناه يبدو, acceptable, يعني مقبول. Cette proposition me semble acceptable. جملة أخرى, أنا لست ملزما أو مضطرا لمرافقته. Oui, très bien. Je ne suis pas obligé de l'accompagner. Je ne suis pas obligé de l'accompagner. Obligé, معناه ملزم أو مضطر. Accompagné, معناه يرافق, رأيناه في العديد من المرات. Je ne suis pas obligé de l'accompagner. جملة أخرى. عليك أن تحدد نفقاتك إذا كنت تريد أن توفر. Oui, très bien. Tu dois limiter tes dépenses si tu veux épargner. Tu dois limiter tes dépenses si tu veux épargner. Tu dois limiter tes dépenses si tu veux épargner. مثلا إذا أردت أن أقول أخيرا وافق على مساعدتي بدون مقابل، كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Enfin, il a accepté de m'aider sans contrepartie. Enfin, il a accepté de m'aider sans contrepartie. On peut dire aussi, finalement, il a accepté de m'aider gratuitement. C'est la même chose. Enfin, ou finalement, il a accepté, yani, قبل أو وافق, m'aider, le verbe aider, معناه يساعد, sans contrepartie, sans يبدون, contrepartie, yani, مقابل. Enfin, il a accepté de m'aider sans contrepartie. جملة أخرى نحن قريبون جدا لدرجة أنني أعتبرها فردا من عائلتي. Oui, très bien. Nous sommes tellement proches que je la considère comme un membre de ma famille. Nous sommes tellement proches que je la considère comme un membre de ma famille. Membre يعني فرد. Nous sommes tellement proches que je la considère comme un membre de ma famille. جملة أخرى. البرد لم يشجعني على الخروج للركض. تذكرون أصدقائي فعل لا يشجع عكس فعل شجع كنا قد رأيناه سابقا. Oui, très bien. Le froid m'a découragé de sortir courir. Le froid m'a découragé de sortir courir. Découragé, يعني لا يشجع. Ici, le verbe est conjugué au passé composé. Le froid m'a découragé de sortir courir. جملة أخرى. نجح بفضل والديه اللذان شجعاه كثيرا. الآن لدينا فعل شجع يشجع عكس لا يشجع. Oui, très bien. Il a réussi grâce à ses parents qui l'ont beaucoup encouragé. Encouragé ou عكس الفعل أو le verbe décourager. Encourager, شجع يشجع, décourager, كما رأينا, لا يشجع. Il a réussi grâce à ses parents qui l'ont beaucoup
encourager. لاحظت أنها تقلل من قيمة كل ما أقوله. تذكرون أصدقائي، فعل يقلل يعني يقلل من شيء ما أو يقلل من قيمة شيء ما. هذا الفعل كنا قد رأيناه سابقا، خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. نعم أحسنت. J'ai remarqué qu'elle déprécie tout ce que je dis. J'ai remarqué qu'elle déprécie tout ce que je dis. كما رأينا هنا déprécier هي يقلل، يقلل من قيمة شيء ما أو يقلل من شيء ما. J'ai remarqué qu'elle déprécie tout ce que je dis. جملة أخرى. لقد أثبت فعالية عمله. نحن سعداء به. تذكرون كلمة فعال أو فعالية كنا قد رأيناها سابقا. Oui, très bien. Il a prouvé l'efficacité de son travail. Nous sommes contents de lui. Il a prouvé l'efficacité de son travail. Nous sommes contents de lui. Le verbe prouver معناه يثبت efficacité يعني فعالية de son travail يعني عمله. Nous sommes يعني نحن contents يعني سعداء de lui به. Il a prouvé l'efficacité de son travail. Nous sommes contents de lui. جملة أخرى. آمل أن يكون ذلك واضحا بما فيه الكفاية. Oui, très bien. J'espère que cela est suffisamment clair. J'espère que cela est suffisamment clair. J'espère que cela est suffisamment clair. جملة أخرى. عندما يبقى في المنزل دون أن يفعل أي شيء يشعر بالملل أو يمل. Oui, très bien. Quand il reste à la maison sans rien faire, il s'ennuie. Quand il reste à la maison sans rien faire, il s'ennuie. تذكرون فعل أو le verbe s'ennuyer معناه يشعر بالملل. Quand il reste à la maison sans rien faire, il s'ennuie. الآن أصدقائي لدينا تساؤل سهل جدا. كيف أقنعته؟ Oui, très bien. Comment l'as-tu convaincu? Comment l'as-tu convaincu? Ici, on a le verbe convaincre, yani yuqni'u, conjugué au passé composé, musarraf al-madi al-murakkab. Comment l'as-tu convaincu? Jumla ukhra. Yakfi al-dhahab fi as-sa'a al-thamina li takuna fi al-waqt al-muhaddad. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. Oui, très bien. Il suffit de partir à 8 heures pour être à l'heure. Il suffit de partir à 8 heures pour être à l'heure. Le premier verbe, c'est le verbe suffire, conjugué au présent de l'indicatif. أول فعل هو فعل يكفي مصرف الحاضر الدلالي أو في المضارع. Il suffit de partir à 8 heures pour être à l'heure. مثلا إذا أردت أن أقول سوف تندم على ذلك، كن حذرا مما تفعله.
كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Tu vas le regretter. Fais attention à ce que tu fais. Tu vas le regretter. Fais attention à ce que tu fais. Tu vas le regretter. Fais attention à ce que tu fais. بهذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الاختبار، ولكن قبل أن نختم إليكم سؤال التميز وسؤال اليوم يقول: هو يتردد كثيرا في الذهاب لرؤيته. تذكرون أصدقائي فعل تردد يتردد، كنا قد رأيناه سابقا. أدعوكم لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، وإذا كان كذلك لا تبخلوا علي بالضغط على زر الإعجاب ومشاركة الدرس مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.